de la gravure, de la sortir de son cadre classique, en l'installant sur le mur, en redécoupant dans le papier, etc. quoi. M'inspirer des codes du graphisme contemporain et du data design pour les détourner de leur utilisation première et en modifier le sens. Même si les techniques en elles-mêmes sont très opposées par leur histoire, au final, quand on mélange les deux sur le mur, en fait, cette frontière disparaît parce que voilà, on essaye de vraiment trouver une espèce d'osmose entre ces deux techniques qui fait que, en fait, visuellement, on voit plus ce fossé entre les technologies. Celui-là, ça, on met l'office, quoi. Celui-là, c'est sûr. On le met comme ça. Central, presque, un peu décalé à gauche, je crois. Les technologies, la vidéo, les logiciels, etc., ça a quelque chose de très éphémère, en opposition avec la gravure sur bois, qui a ce côté physique, lourd, la presse, qui est tellement éternelle, enfin en tout cas tout sauf éphémère. La gravure, c'est aussi une technique super ancienne, quoi. C'est le plus ancien procédé de reproduction d'images qui date au minimum du Moyen Âge, en tout cas en Occident. Et du coup, voilà, moi c'est aussi ce rapport-là qui m'intéresse vachement, dans le sens où le fait de pratiquer une technique ancestrale et puis d'essayer de la détourner et de l'intégrer dans des processus de création contemporains, moi c'est un peu ma façon de l'aborder. Simplement créer un décalage, un autre rapport au temps, à l'évolution de l'image imprimée et tenter de l'évoquer dans nos installations. Ces matrices, c'est un peu mon vocabulaire, quoi. C'est avec ça que je peux partir pour composer les fresques avec Yannick. Comme celle-ci, par exemple, voilà, c'est un personnage qui vient d'une photo trouvée sur le net, un type, un ouvrier qui est occupé à manipuler quelque chose. Moi, je lui rajoute son cerveau, je lui allonge son corps comme un gros cylindre noir. Et donc au final, je me réapproprie cette image, je la retaille dans le bois. Et le fait de la tailler, du coup, ça devient un vrai objet qui m'appartient, qui fait partie d'une collection d'objets, de matrices. Je les ai toutes depuis le début, c'est comme une grande famille. Et c'est cet aspect-là qui est le plus important pour moi. Dans ce qu'on a, il y en a peut-être qu'on peut encore construire aussi, effectivement. Ouais, ça c'est une plie, ça peut être pas mal. Et est-ce que ça se raccorderait, tu vois, des trucs comme ça?
finalement, j'utilise des codes graphiques qui habituellement servent plus à faciliter la compréhension, le sens de l'information. Et là, je l'utilise à contre-courant pour presque désorienter encore plus le spectateur et lui indiquer des chemins en fait qui vont plus le perdre plutôt que lui aider à comprendre à comprendre l'installation. Maintenant, on est à une époque où le flot d'informations devient tellement énorme qu'on a vraiment besoin de passer par le filtre d'algorithmes et le filtre de l'infographie et du data design pour pouvoir rendre toutes ces données compréhensibles en fait. Et je trouve des fois il y a un peu des dérives qui sont parfois assez amusantes et j'aime bien relever un peu des petites choses que je trouve assez absurdes en fait dans cette espèce de mode actuellement qu'on a de tout quantifier comme si toute la vie de l'être humain pouvait être décomposée en statistiques, en pourcentages. On vit à une époque où les choses semblent aller de plus en plus vite et on a quand même une espèce de pression technologique qui pousse à aller toujours un peu de l'avant et des fois juste pour aller de l'avant sans vraiment but concret. Libre à chacun en fait d'y projeter ce qu'il veut dans le sens où de toute façon toutes ces images sont très figuratives, très illustrative presque, c'est toutes des images, des éléments qu'on a l'impression d'avoir déjà vu quelque part, qui évoquent des souvenirs, il y a vachement un rapport comme ça aussi au passé, aux souvenirs.